What up tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très différente de ce qu'on fait d'habitude. Parce que, en gros, hier, j'ai voulu faire un live sur Twitch. Et en même temps que de poser juste une annonce sur la chaîne pour montrer que je faisais un live, je me suis dit pourquoi pas faire un sondage, parce que ça fait très longtemps qu'on en a pas fait. Un sondage qui parle plus en général de la chaîne. Et je voulais vraiment avoir vos réactions sur le sondage. Donc je crois que la vidéo est maintenant en privé. Mais en gros, j'ai reçu 233 réponses. Et je vais essayer de lire le sondage jusqu'au bout avec vous. Et j'aimerais réellement, parce que c'est une vidéo qui est très, très importante pour moi, j'aimerais réellement, réellement que vous essayez de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît. C'est très important pour ceux qui suivent la chaîne. Pitié, restez. Pour moi, c'est important. Donc, je vais passer rapidement sur le sondage au niveau de certaines questions. Et après, je vais vous parler plus personnellement d'un truc qui me tient réellement à cœur. Mais s'il vous plaît, restez. Je vous jure, s'il vous plaît. Ok, donc on est parti. Donc, la première question, c'était quelle est la meilleure heure pour mettre en ligne une vidéo. Donc là, les gens sont un peu disputés entre 17h et 18h. Et 17h a apparemment gagné. Donc peut-être que maintenant, je commencerai à mettre mes vidéos à 17h, pourquoi pas. Et si je fais deux vidéos par jour, la deuxième, je la mettrai vers 21h ou 22h. Comme ça, ça laissera un décalage pour pas faire du spam sur la chaîne. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que tu vas bien? Donc apparemment, les gens vont super bien. Et il y a des gens qui vont un peu moins bien. Et d'autres, non, ils vont juste pas bien. Après, tu joues à quoi en ce moment? Il y a eu pas mal de réponses, mais ça, j'ai déjà lu, je préfère juste, du coup, le lire moi-même, parce que c'est pas super intéressant, c'est un peu vaste, ça, c'est les goûts de tout le monde. Après, c'est noter la chaîne. Donc, j'ai mis une note sur 10, je sais pas pourquoi, et il y a beaucoup de gens qui ont mis 10, mais ça, je pense qu'ils ont un peu abusé quand même sur la chaîne, d'autres qui ont mis 9, d'autres qui ont mis 8, et certains qui ont mis 1. Ils devaient pas m'aimer, je sais pas pourquoi ils sont sur le sondage, d'autres qui ont mis 0, mais c'est pas très grave, c'est pas intéressant. Le truc, c'est que je voulais voir à peu près... Comment dire, si les gens étaient vraiment à fond dessus ou pas. Et ça m'a montré que c'était assez varié, c'est cool. Je voulais surtout pas qu'il y ait que 10, qu'une note de 10. 1, parce que je la mérite pas. 2, parce que je voulais voir, du coup, si les gens étaient cool. Et du coup, c'est cool. Et du coup, là, j'ai eu pas mal de bons retours. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit que ma chaîne était rigolote, enfin, qu'il y avait beaucoup d'énergie, qu'il y avait plein de choses. Et là, il y a eu pas mal de gens aussi. Et ça, c'est dans les commentaires YouTube depuis quelques temps et ça me donne envie de changer un peu un truc sur la chaîne et vous allez comprendre pourquoi c'est très important pour moi et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. C'est, tu es trop excité dans tes vidéos. Et il y en a d'autres qui disent aussi, mais arrête de crier comme un taré. Et je sais pas, il y en a plein des gens qui pensent ça. Je vais essayer d'en trouver un autre. Tu es trop excité. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. C'est en gros, c'est une question que je vois de plus en plus revenir dans les commentaires, surtout pour les gens qui découvrent la chaîne, parce que quand tu me connais pas et tu me vois tout le temps crier, tout le temps parler vite, etc., c'est vrai que ça peut... Il y a des gens qui aiment pas forcément ce style. Et aujourd'hui, vous êtes obligés de me prendre au sérieux parce que j'ai mis une chemise. Et du coup, c'est un peu ça, en fait, le principe de la vidéo. C'était parce que je voulais vous dire un truc. C'était que... En gros, dans mes vidéos, je le dis, hein, je l'assume complètement, c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos là où je suis pas complètement naturel. Surtout les anciennes vidéos. Maintenant, c'est beaucoup mieux, mais il y a plein de vidéos avant là où je forçais toujours tout le temps. Mais vraiment, c'était horrible. Même moi, je les déteste, mes anciennes vidéos. Enfin, à l'époque, je trouvais ça cool. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, j'étais vraiment très con. Et en gros, ce qui se passe, c'est que j'aimerais en fait refaire des vidéos comme celle-ci, genre... Un peu excité parce que je suis complètement hyperactif dans la vie, mais je sais le gérer. Donc, en gros, ce que j'aimerais refaire, en fait, ce serait des vidéos plus posées, en fait. Mais pas posées dans le sens... comme ça, genre, posées dans le sens plus calme, plus naturel, en fait. Mais ne vous dites surtout pas que ça veut dire que je vais plus crier et que je vais plus parler vite. Parce que ça je le fais réellement tout le temps. Dans la vraie vie, je parle tout le temps très vite. Parce que vu que dans ma famille, on crie tous tout le temps, c'est naturel, en fait. On essaye... de parler plus fort que l'autre pour se faire écouter et du coup tout le monde crie tout le temps. Demandez à n'importe qui me connaît, je vous jure que ça va être ça. Et du coup en fait ce que je me dis c'est que ça pourrait être cool d'avoir cet aspect plus posé des vidéos mais tout en continuant à garder l'énergie, donc en gardant mes vidéos animées par ma personnalité que vous connaissez, mais en même temps on essaie d'être plus calme, d'être plus posé et de pas toujours chercher à être drôle. Parce qu'il y a plein de vidéos où je sens que je vais être drôle parce que vu que je me sens pas intéressant, j'essaie toujours de trouver un truc à dire drôle pour combler des vides. Mais après je me dis que c'est pas forcément cool de faire ça. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye juste d'être normal, je sais pas. Mais après, je sais pas, c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En gros c'est que du coup toutes les prochaines vidéos que vous verrez sur la chaîne seront des vidéos qui seront pour moi des bonnes vidéos. C'est-à-dire des vidéos là où je suis naturel, des vidéos là où je suis quand même avec mon énergie parce que je suis connu pour avoir l'énergie sur YouTube. Et c'est vrai que je suis tout le temps énergétique, donc c'est cool. Je bois trop de café. Du coup, voilà, ça va être ça le truc. Ça me tenait vraiment à cœur de le dire parce que ça, je sais pas, ça fait plusieurs mois en fait que je reçois ce genre de commentaires et je me suis jamais dit,
pourquoi j'essaierais pas d'être plus naturel? Et en plus, ça me donnerait l'occasion de faire plus de vidéos, vu que j'aurais moins de... Enfin, un peu moins de montage à faire. Vu que j'aurais pas... Enfin, je sais pas, j'aurais moins de montage à faire, parce qu'il y aurait pas de trucs à enlever, qui seraient des fois de trop. Parce qu'il y a plein de vidéos là où j'enlève des trucs parce que c'est de trop, et que je les fais en trop. Après, le reste des gens étaient très cool, car en direct, tu n'es pas assez naturel dans tes vidéos, mais il y a du bon contenu. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est... Je vais essayer de continuer à garder mon énergie, mais tout en essayant d'être plus calme. Par exemple, pour ceux qui ont suivi le live Twitch d'hier soir, j'étais complètement naturel. Parce que, un, j'étais avec des amis, du coup, je pouvais pas tout le temps, complètement fou. Et puis même, c'est très drôle à voir, j'espère que vous avez aimé le live hier soir, parce que je me suis beaucoup amusé à le faire. Surtout sur H1Z1, c'est un gros bordel, et j'ai beaucoup aimé faire ça. Après, tu as tout le temps l'enthousiasme, c'est vrai, je suis très... En fait, j'essaye toujours de voir le côté positif dans ce que je fais. Du coup, c'est vrai que ça me motive en enthousiasme. Du coup, c'est cool. Enfin, je vais pas arrêter de crier, ça c'est sûr. Je vais continuer à le faire, surtout pour mes intros, j'adore faire... Et quoi, tout le monde s'est réactivé, ça c'est un truc que j'aime bien, parce que ça me motive pour la vidéo, ça me donne directement un boost d'énergie pour toute la vidéo. Et ça, je continuerai à le faire. Donc, c'est ça que je voulais dire. Après, il y a beaucoup de gens aussi, du coup, qui sont contents parce que je fais une grosse variété de jeux. Et ça, c'est très cool aussi, parce que du coup, ça répond à la question qui est au-dessus, là où en gros, je demandais quel jeu voulais voir sur la chaîne. Le fait que je fasse une variété de jeux, c'est très cool. Après, il y a quand même des gens qui m'ont dit que je variais pas assez, d'autres qui me disaient que je variais trop. Et pour moi, je trouve que je suis ok, genre, je varie assez bien mes jeux. Et vu que là, c'est les vacances, je vais essayer de faire encore plus de jeux. Je vais essayer de faire plus de jeux, plus de vidéos, plus de montage. Et j'espère que du coup, ça va vous plaire. Après, tout à l'heure, n'oubliez pas que c'est pas exactement ce que j'ai dit. En gros, je disais que j'étais pas complètement naturel parce que, un, c'était vrai, voilà, c'était sûr. Et, comment dire, c'était. Je sais pas comment dire, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, je le pense toujours. C'est toutes les blagues que j'ai faites, c'est toujours des blagues qui venaient de moi. J'ai jamais cherché à non plus trop les exagérer. J'ai toujours, enfin, j'essaie d'être un peu drôle, je sais pas comment on pourrait dire. Et en gros, n'oubliez pas que toutes mes vidéos que j'ai faites avant, elles sont pas nulles. Pour moi, elles sont largement ok. Surtout depuis quelques temps, j'essaie de faire des vidéos un peu plus montées. Et du coup, je tiens à vous le dire, toutes mes vidéos n'étaient pas complètement abusées avant. C'est juste que... je vais essayer de faire mieux que ce que je faisais avant, parce que j'essaie toujours de m'améliorer. Et là, on va tomber sur une question qui m'intéresse énormément, c'est comment je pourrais faire pour améliorer mes vidéos. Il y a des gens qui disent que je suis un gamin, mais ça c'est vrai, je peux pas changer un truc qui est vrai. Ça c'est moi, je suis toujours, dans ma vie je suis un gamin, je fais que des blagues de gamin, parce que je suis un gamin dans ma tête, je suis un enfant. C'est comme tous les jours, j'achète des choses qui sont réellement complètement inutiles. Je suis un fan de chocolat, enfin je suis un enfant dans ma tête. L'humour de gamin restera sur la chaîne, ça changera pas. Après, il y a beaucoup de gens qui disent rien, mes vidéos sont ok. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Ce que je me dis, c'est que peu importe qui t'es, peu importe où tu es, il y a toujours un moyen de s'améliorer et de faire mieux que ce que tu faisais avant. Et du coup, je me dis que ça serait vraiment beaucoup mieux de s'améliorer. Je veux pas rester comme je suis maintenant, je veux continuer à toujours essayer de trouver mieux, des nouvelles idées, de nouveaux concepts, améliorer mon commentaire, être plus polyvalent dans mes jeux. Il y a toujours un moyen de s'améliorer. Remettre une mascotte comme la pastèque. Mais la pastèque, elle est morte. Je l'ai écrasée et j'ai pris un marteau, j'ai écrasé la pastèque. Elle est morte, cette pastèque. Fais-moi le gamin, mais toujours avec la pêche. Mais je fais pas le gamin, c'est naturel, ça. Le seul truc naturel qu'il y avait dans mes vidéos. Peut-être un peu plus d'humour. Et bah là, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui disent que je fais trop d'humour et que je devrais être plus sérieux. Il y en a qui disent que je fais pas assez d'humour et que je devrais être moins sérieux. En fait, ça dépend des jeux. Il y a des jeux là où je suis à fond dedans et du coup, je peux pas forcément rigoler tout le temps. Et des jeux où j'essaie de faire un truc plus divertissant quand c'est trop sérieux, polyvalent au niveau de mes vidéos, qu'il y ait des vidéos plus drôles que d'autres, qu'il y ait des vidéos plus let's play que d'autres, pour que tout le monde trouve un truc à regarder sur la chaîne de différent. Ta coupe de cheveux. Open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white light. Bon, on va arrêter deux secondes, parce que j'ai quand même mis une chemise aujourd'hui, j'ai fait un effort, j'ai mis une chemise, je me suis un peu coiffé. Bon, ça se voit pas, mais laissez tranquille. Donc, j'ai vraiment fait un effort. Je suis un homme politique. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à dire et je vais tout dire dans la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui pensent que mes vidéos sont pas assez longues, d'autres trop longues. Mais je préfère une vidéo qui soit plus courte, avec du bon divertissement. Une vidéo où tu peux passer du temps dessus et que tu le vois pas passer. Qu'une vidéo trop longue, là où, je sais pas, c'est trop répétitif. Je préfère quand, en fait, justement, encore une fois, l'avantage de faire du gaming, c'est que tu peux choisir de faire du montage ou pas faire du montage. Et quand j'en fais pas, en fait, ça donne des vidéos justement plus let's play. Et quand j'en fais, ça fait des vidéos plus fun délire, et du coup ça c'est l'avantage. Du coup je préfère qu'il y ait les deux sur la chaîne, je préfère qu'il y ait des vidéos let's play et des vidéos délire, même si je fais pas beaucoup de let's play en ce moment. Ok, donc là on a encore une question, alors c'est à quelle convention je vais pouvoir vous voir cette année? Parce que j'ai pas dit à quelle convention je vais être, c'est à quelle convention vous allez être, parce que c'est plus important pour moi. Donc il y a beaucoup de gens qui ont mis autre, parce que je pense que c'est pas des gens qui sont dans la région parisienne. Il y en a pas mal qui ont dit la Paris Game Week, et c'est cool parce que je serai à la Paris Game Week. Après il y en a qui disent la Japan Expo, mais c'est déjà passé, la Paris Manga aussi je crois. Donc apparemment vous allez souvent être à la Paris Game Week, mais dans quelques jours, enfin dans une semaine je crois, du 15 au 16,
Je serai à Poitiers pour la Gamer Assembly, pour ceux qui connaissent. C'est un gros festival de jeux vidéo, un peu comme la Paris Game Week, mais en légèrement plus petit et en plus axé e-sports. Donc je serai là-bas pour ceux qui ont envie de me voir. J'aurai pas de stand ou quoi, mais si vous voulez venir me voir dans la convention, je serai là-bas et on pourra discuter. Donc je sens que ça va être drôle parce que c'est ma première convention qui est un peu plus loin que Paris. D'habitude, je suis toujours vers la Paris Manga, Paris Game Week, etc. Là, je vais être plus loin. Et j'ai réellement hâte de voir ça. J'ai envie de voir les compétitions, j'ai envie de voir du monde. Et si vous êtes à Poitiers, que vous habitez à Poitiers, ou que vous déplaciez pour aller à Poitiers pour cet événement de gaming, n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à venir me voir, je serai là pour discuter avec vous, il n'y aura aucun problème. Donc là on a encore sur une question qui est très bizarre, c'est est-ce que tu aimes quand je fais du montage comme dans les vidéos H1Z1 par exemple. Et là il y a pas mal de gens qui ont mis ça dépend du jeu. Non et oui. Donc il y en a qui aiment pas trop le montage, donc je pense qu'ils sont plus dans le délire des vidéos let's play. Il y en a qui aiment plus le montage, comme par exemple dans les vidéos H1Z1, dans les vidéos Battleground, dans les vidéos Just Cause. Donc c'est des vidéos là où je fais plus de montage que d'autres, parce que j'ai envie que ce soit plus divertissant à regarder. Et c'est vrai que ça dépend du jeu, je suis absolument d'accord. En fait il y a des jeux là où il y a une ambiance en fait, par exemple les jeux d'horreur etc. Et c'est mieux en fait de faire le moins de montage possible pour que les gens soient plus dans l'ambiance du jeu. Et c'est vrai qu'il y a des vidéos, enfin il y a des jeux là où t'es pas obligé d'être dans l'ambiance du jeu pour comprendre. Et du coup c'est mieux de faire du montage pour dynamiser à mort la vidéo. Et c'est très cool. Donc je pense que, là par contre je suis complètement d'accord avec vous. Donc pour la majorité, pour les 56,3%, genre par exemple Undertale, il y a aucun montage dedans presque. Et c'est des vidéos qui ont des très bonnes musiques, une très bonne ambiance de jeu. Et c'est pour ça qu'en fait je fais le moins de montage dedans, parce que j'ai envie que les gens se sentent à mort dans le jeu. Et des vidéos justement comme GTA etc, là où c'est plus du délire, enfin y a rien là, y a pas d'ambiance dans ce jeu. Du coup je préfère faire du montage pour que la vidéo soit plus drôle. Un dernier mot, GG continue comme ça. Pouce bleu, merci pour tes vidéos, merci à vous de regarder, hein. C'est pas moi qu'il faut remercier. Je suis sûr, obligé, il y en a qui ont mis juste le mot mot, parce qu'un dernier mot, il y a forcément des gens qui ont fait la blague et ils ont mis juste le mot mot, c'est obligé. Beat, ok, on terminera sur beat. Donc, en gros, pour résumer après la vidéo, c'était plus au niveau de moi-même en fait, pour vous dire que j'ai pas envie que vous sentiez que je suis quelqu'un d'inaccessible, je suis réellement comme vous, je suis pareil, il n'y a aucune différence entre vous et moi, il y en a beaucoup qui pensent que, vu que je suis youtubeur, ils peuvent pas me parler, etc. Mais souvent, je réponds énormément aux commentaires. Ne me dites pas ça. Je réponds à presque... On a qu'à dire, sur toutes les vidéos, je dois répondre à une dizaine de commentaires. Et c'est parce que c'est pour vous dire que je veux pas que vous me voyez comme quelqu'un d'inaccessible. J'ai envie que vous me voyez comme un ami, quelqu'un à qui vous pouvez parler, en fait. Quelqu'un qui est pas faux. Et c'est pour ça que j'ai envie d'améliorer mes vidéos pour me sentir peut-être un peu plus naturel. Et ça me permettra encore d'en faire plus. Parce que du coup, j'aurais peut-être un peu moins de montage à faire au niveau des cuts quand je parle trop pour rien dire, etc. Comme justement quand je surjoue ou quelque chose comme ça. Après d'ailleurs, en parlant de surjouer, alors ça par contre, dans toutes mes vidéos, j'ai absolument jamais surjoué. Ça je le dis maintenant. Peut-être que tendance, j'exagérais les choses pour rendre le truc plus fun, mais j'ai absolument jamais fait tout le temps pour sans aucune raison. Ah oui, voilà, c'est ce commentaire-là que je vais vous montrer. Prendre en considération qu'il y a des jeunes qui t'écoutent et limiter les jeux vulgaires et trop violents. Je suis désolé, mais non. Non, je peux pas faire ça, parce que, en gros, on est sur YouTube, je fais les vidéos que j'ai envie de voir, en fait, moi je fais ce que j'aurais envie de regarder, et y a des jeux, ils sont violents, par exemple Mortal Kombat, etc, c'est sûr que c'est violent, mais je peux pas limiter ce genre de jeu. Après, les jeux vulgaires, il y en a pas beaucoup sur ma chaîne, je crois qu'il y en a pas en fait, je vois pas ce qui est vulgaire sur ma chaîne. Après, les jeux violents, il y en a plein, mais je vous jure que je fais pas, enfin, je vais pas me limiter, je vais pas faire que des jeux genre Winnie l'ourson, parce que forcément, c'est le jeu le moins violent du monde. J'essaie de varier. Et si le jeu est trop violent pour un public jeune, parce que ça je sens que c'est un parent qui écrit ça, si c'est trop violent pour un public jeune en fait, je préfère que la personne clique pas. Enfin ça se voit en plus, dans les miniatures j'essaie toujours de montrer un moment assez hard de la vidéo, par exemple pour Mortal Kombat il y a toujours du sang etc. Donc je pense que le jeune, s'il est pas trop con, il va voir le sang et va faire je clique pas. Et s'il se sent assez mature pour cliquer, il va faire je clique. Et dans tous les cas c'est un thug, il clique. Montre ton pénis à tes abonnés. Ok, on va faire ça tout de suite pour montrer que je suis naturel. Non, on va pas faire ça. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, en gros, pour résumer la vidéo, j'essayerai maintenant d'être un peu plus naturel, d'être un peu plus posé dans mes vidéos, tout en améliorant mes montages. Cette vidéo était importante pour moi et j'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et que vous me donnerez votre avis en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée ce que je fais dans cette vidéo là. Je sais pas, pour moi c'est important et j'espère que vous avez compris le sens de la vidéo. Et si vous avez envie de voir tout ce que j'ai dit dans la vidéo se faire, dites-le moi en les commentaires. Dites-moi aussi vos conseils si vous avez des conseils pour améliorer la chaîne, même si là apparemment vous m'avez déjà tout dit. J'essaierai de tout améliorer et j'essaierai toujours de faire mieux. Donc j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Si vous l'avez aimé et que vous voulez voir plus de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un méga pouce bleu. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. A plus souvent, c'était Hyton et ciao.